Vous avez fait tout ce qu'il fallait pour que votre groupe se développe, mais voilà, un conflit arrive, des tensions se développent et ruinent tous vos efforts extrêmement rapidement. Comment faire pour en sortir? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir comment sortir du conflit et des tensions. Alors on en a parlé plusieurs fois à l'occasion de ces différents trucs d'animation, mais pour ça, eh bien, il faut bien distinguer les fois où on a parlé de conflit et de tensions. Alors, vous allez me dire, ça, pourtant, on a souvent les deux. Oui, parce que les conflits entraînent des tensions et les tensions, eh bien, génèrent des conflits. Mais effectivement, les deux sont extrêmement différents et il faut comprendre les deux mécanismes pour pouvoir en sortir. Un conflit, c'est un problème qui est finalement assez rationnel. C'est un problème d'intérêts divergents. Ça ressemble un petit peu comme au tir à la corde. Vous savez, les gens tirent un peu dans tous les sens, etc. Mais c'est toujours dans deux sens. Et pour sortir de ce côté bipolaire, eh bien, on va essayer d'ouvrir à d'autres solutions. Donc, on va essayer de générer, de poser la question, finalement, qu'est-ce qu'il y a comme autre aspect? Et on va travailler pour transformer ce conflit en ce qu'on appelle d'ailleurs une crise, c'est-à-dire quand ça part un petit peu dans tous les sens. Et c'est à partir de cette crise que l'on pourra après avoir un groupe qui, naturellement, va reconverger tranquillement. Donc, on ne sort pas du conflit directement, mais par contre, eh bien, on va essayer d'apporter des questions sur quoi d'autre? Quelles sont les différentes possibilités pour essayer d'ouvrir les choses? C'est un problème avant tout rationnel, donc on peut utiliser ça de façon totalement consciente. Alors pour les tensions, eh bien c'est assez différent, puisque c'est un problème assez irrationnel, c'est quelque chose qui se passe dans notre inconscient, principalement. Alors il faut considérer les tensions un peu comme des bestioles, vous savez, un peu comme les Gremlins dans ce film, où ça ressemble à des petites bestioles bien gentilles, mais qui deviennent des véritables monstres, et qui en plus se dupliquent dès qu'elles sont au contact de l'eau. Et là, eh bien, les tensions, elles se dupliquent lorsqu'elles sont au contact des humains. Et on va voir que nous en sommes les victimes. Donc on va essayer de renverser la façon de voir les choses pour essayer de regarder différemment, pour bien se comprendre ce qui se passe de façon inconsciente, comme une attaque de ces gremlins, de ces tensions, si vous voulez, sur des personnes. Alors, essayons de regarder ce qui se passe. On va décrire une attaque de gremlins, tout simplement. Et on va essayer de regarder ça évidemment autrement, vu du côté effectivement des gremlins, et non plus simplement du côté des personnes en disant ah oui, mais lui il est un tel, il est comme ci, il est comme ça, etc. Si tout le monde est comme ça, d'ailleurs vous-même vous l'êtes aussi, moi-même aussi, ça m'arrive d'être tendu, et donc de toute manière, non, ça on va pas s'en sortir en regardant les choses par les humains, on va les regarder par les tensions elles-mêmes, par les gremlins, comme des petits personnages qui se déplacent. Alors imaginez une personne qui a une difficulté en arrivant dans le groupe avec son conjoint, ou alors un problème avec sa voiture en arrivant, bref. Elle arrive avec une tension, ça peut arriver à tout le monde. En fait, elle arrive avec un petit gremlin planqué dans la tête, et celui-ci, dès qu'il voit d'autres personnes, eh bien, il va sauter sur la personne en face. Donc, on va transmettre la tension sans même le faire attention, même de façon inconsciente. Mais le problème, c'est que ce gremlin-là, il saute pas simplement, il se duplique. C'est-à-dire qu'il reste également sur la première personne qui ne s'en est pas débarrassée du tout. Et donc, on a maintenant deux gremlins. Et puis le nouveau gremlin sur la deuxième personne, eh bien la première chose qu'il fait, il va sauter sur la première personne, mais aussi peut-être sur les autres présentes, donc sur une deuxième, une troisième, etc., tout en restant évidemment toujours là. Et au bout d'un moment, eh bien on a les gremlins partout, c'est un véritable bazar, c'est un véritable carnage. Alors, il va falloir traiter séparément les deux, avec le conscient et l'inconscient. On va bien essayer de regarder les choses. Et la première chose qu'on va essayer de traiter, c'est d'abaisser les tensions avant de pouvoir gérer de façon plus rationnelle le conflit. Alors pour s'en sortir, premièrement, eh bien, on va utiliser différentes choses comme la bienveillance. Rappelez-vous, un tout premier truc d'animation sur la bienveillance comme la règle la plus efficace dans un groupe, ou la communication non violente aussi, pour aider à ne pas provoquer inutilement de nouvelles tensions. On va essayer de ne pas en faire trop. Mais il peut en avoir, puisqu'elles peuvent venir de l'extérieur, elles peuvent venir de plein de domaines différents, plein de choses, une mécompréhension ou plein de choses, même avec la meilleure bienveillance possible. Donc, deuxième chose, eh bien, il va falloir repérer l'attaque des tensions. Et alors évidemment, sans juger la personne, parce que sinon on va rajouter de la tension à la tension, ça ne servira à rien, au contraire, on va rendre les choses plus difficiles à juger, mais on va dire attention, on est attaqué par des gremlins, pardon, on est attaqué par des tensions. Alors souvent, la personne qui repère les tensions, c'est une personne qui est un petit peu extérieure au groupe, c'est-à-dire qui observe, mais qui n'est pas forcément partie prenante, parce que quand on est partie prenante, eh bien, on est dans le jeu, on rentre dedans, et finalement, eh bien, on oublie que finalement la tension monte, alors qu'une personne un petit peu extérieure peut dire ah, attention, on est attaqué. Mais voilà, donc sans juger les personnes, mais plutôt, il vaut mieux juger les gremlins que les personnes. Et on va essayer de les évacuer comme troisième période. Alors, une bonne façon de le faire, c'est de dire, ok, dès qu'on aura une attaque de gremlins, dès qu'on aura une attaque de tension, pardon, eh bien, on va essayer de prendre un temps de silence. On s'arrête pendant 30 secondes, on ne fait pas une minute de silence, mais pendant quelques secondes quand même, au moins 30 secondes, eh bien, on prend un temps de silence.
D'abord parce que ce silence-là, ou même simplement respirer, va permettre déjà d'évacuer une grande partie de la tension. Si en plus vous êtes capable de sourire, vous allez voir que les tensions s'évacuent énormément. Mais on va essayer d'évacuer le maximum. Et la quatrième étape, ça va être de vérifier qu'il n'en reste plus. Et donc de pouvoir traiter ensuite éventuellement le conflit, comme on l'avait vu, en essayant d'ouvrir les portes à différents choix possibles. Alors à vous de jouer, essayez de mettre tout ça en œuvre. Et puis si votre groupe est vraiment victime de conflits et de tensions, eh bien le mieux c'est d'avoir vraiment quelque chose de vraiment solide là-dessus. Alors j'ai fait un cours sur les conflits, comment sortir des conflits et des tensions. Et en ce moment, eh bien pour pouvoir vous en faire profiter vraiment à un prix très très bas, je l'ai mis sur Groupon, simplement à 14% simplement du prix normal. Donc j'ai complètement cassé le prix parce que j'avais vu pas mal de groupes qui commençaient à avoir des difficultés et j'avais envie de pouvoir l'offrir au plus grand nombre possible. Et pour vous aider, de manière à ce que vos efforts ne soit pas ruiné par une attaque de gremlins, pardon, une attaque de tension. Donc je vous mettrai le lien, vous pouvez aller chercher donc sur Groupon, directement sur le site même de sortir du conflit. Ne prenez pas ça au prix normal, je ne sais pas qui vous le dit, prenez-le au prix Groupon, ça vous permettra de faire des grosses économies. Comme d'habitude, eh bien commentez, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, likez, et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation.